matin, gang. On est lundi. Pardon. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Moi, ça a super bien été. J'ai une belle fin de semaine. Dimanche, j'étais au cours à Sandy pour son groupe de danse. Moi, j'ai reçu ma route vendredi. Je m'en vais chez Siri Westbrown. Dans à peu près le même coin, fait qu'on va passer Granby, Quantsville, puis on va s'en aller là-bas. Puis après ça, je ramasse des copeaux, je crois. Il me semble que c'est des copeaux. Puis je descends ça à Lac Mégantic. Fait qu'on va s'en aller là-bas tranquillement. Puis là, vu que je peux pas passer par Marieville aller chercher l'autoroute, ben je n'ai pas le choix de passer par Saint-Césaire et toutes ces. Bon, Saint-Césaire, oui. Saint-Césaire, Lange-Gardien, puis aller chercher l'autoroute par là. Fait que. Moi, je souhaite une bonne fin de semaine, gang. J'espère que je vais arranger mon problème de son sur ma caméra. J'ai posté sur un groupe GoPro, je pense qu'il y avait c'est tout GoPro. J'ai posté comme de quoi que des fois, j'avais pas de son, et ainsi de suite. Puis on m'a répondu quoi faire, fait que j'ai essayé ça. Si le problème, ça vient pas de la caméra, je vais essayer d'autres choses. Sinon, ben là, je sais pas quoi faire. Fait que moi, je vous souhaite un bon vidéo, gang. Salut. Salut gang! Oh, le beau canon! Excusez, j'ai ça en face, je peux pas lutter contre. C'est un des camions. Ben, excusez, non, c'est le camion que j'aimerais ça avoir un jour. Un beau Kenwork W900L, c'est le summum des camions à mon goût à moi. Là. Pour les autres, je ne sais pas, mais pour le mien, c'est ça. Donc, changement de sujet. Oui, je suis chargé chez Siri Westbrown. On s'en va à Lac Mégantic. On va passer par la 104. On va aller on va passer à côté du lac Brown. On va chercher l'autoroute 10 par là.
Fait que, ben, salut gang!
une fois que le dompeur est vide, ben, on ressort, puis on va refermer les pattes puis les portes. On met les petits gants. On va faire ma petite. On vérifie que ça c'est propre. On a un petit coup. On est dans le set. Plaque. On ferme ça. On ouvre les portes. J'espère qu'on va l'avoir en face. Ah, yes, ça s'est vidé. En fin de semaine, il a mouillé. Il a neigé un petit peu aussi. Mais ça a fondu. Puis la chose du centre là, il devait avoir à peu près un pouce et demi de glace puis d'eau. Bon, au moins ça s'est vidé. Puis ça n'a pas collé. Fait que c'est le fun. Fait que là, on s'en va fermer. Bon, ouvrez les portes en avant. Pour le système de balance, pour les brakes, puis les lumières, les flashers, on remonte la suspension. Puis on fait l'autre patte. Une fois que c'est fait, on enlève les petits gants, on remet ça là, on remonte dans le camion. À tantôt! Salut gang! Comme vous avez pu voir, oui, je suis dompé. Ça a bien été, il n'y a rien que coller. Comme je disais tantôt, le travail du milieu, il n'y a plus de glace dedans. C'était bien de glace. Il devait avoir quasiment un bon pouce et demi de glace parce que les trous n'étaient pas dégagés, fait que l'eau n'a pas pu vider. Fait que là, on va tourner à gauche. Fait que moi, je viens de raccrocher avec les dispatchs. Je m'envoie à Sainte-Marie. Je ramasse un copeau pour descendre ça à Kroger 3-Rues. Fait qu'on va descendre vers Sainte-Marie pour ramasser ben, le copeau. Après ça, descendre ça à Trois-Rivières. Puis là, je ne leur dirai pas une autre fois parce que là, ils m'ont radoté. Je pense que j'ai trouvé le problème pour ma caméra parce qu'elle a pris des images depuis toute la journée. J'ai commencé quoi, il devait être 9h le matin. Là, il est rendu 1h19. Puis j'ai été voir sur ma caméra pour voir si mettons je ne perdrai pas des images. Fait qu'une fois okay, on a écouté une vidéo, oh, il y a du son. Fait que, à date, j'ai eu pas mal de son partout. Fait que ce que je viens des derniers. Vous avez pu voir avant que de toute façon il va y avoir, avoir du son. Fait que, je pense que j'ai trouvé le problème, on va se croiser les doigts. Fait que salut gang! We'll be right back.
I wake up in the morning in this great blue state. Golden fingers caress my face. Slips through the window on a silky breeze. A dreamer's life to plant some seeds. All my doubts, a lighted mirror reflecting out every true potential. A bedrock belief in a elaborate plot to set this bird free. Every element is based, every color is attached. She paints pictures blue and green, and I release them to the sea for the ancient memory. Just as fleeting as a breeze, she paints pictures blue and green. Salut gang! Moi je suis dompé à Trois-Rivières. Quand je suis arrivé, j'étais le deuxième dans la rue. Je me rappelle plus à quelle heure je suis arrivé. Au pire, mon roi dans mon lot tantôt, ça va être tranquille. Je m'en vais à Placisville. C'est un poil plus loin que. Que Princeville, c'est m'avoir amorcé un copeau, je pense que c'est de voie ferme, pour monter ça à Lac Mégantic. Mais c'est officiel, je ne fais pas ça à soir. Il me reste 2h20 total de route. Puis ça prend plus de temps que ça monter. Juste aller chercher le copeau. Puis après ça, descendre à Lac Mégantic, fait que c'est officiel que je dors avec à soir. Donc, on va descendre sur le long de la 5, sur le long. On va descendre la 55, chercher la 20, on s'en va dans la route. Fait que c'est le gang. Salut gang, on est mardi matin. Moi, j'ai dormi à Victoriaville, dans un Walmart. Parce que quand je suis arrivé dans la cour, il me restait 6 minutes sur mon lot. Fait que, il était temps que je me trouvais trop. Fait que là, comme je disais, moi, j'étais encore chargé. Je vais aller porter ça à Lac Mégantic. Puis après ça, bon, comme d'habitude, on va recoller les dispatchs pour savoir ce qu'on s'en va. Fait que j'ai quasiment fait le tour aujourd'hui. Chez nous, Lac Mégantic. Sainte-Marie, Trois-Rivières, c'est ça. Fait que, c'est ça. On va aller dompé ça, puis après ça, on va recoller du match. Fait que, plus de gang. How we lay in the sunset, white couch in June. The body sings, and I join the tune. All the sirens calling, the crows leave their trees. But a peace pervades us, and the dreamers dream. From every element of face, every color that's attached, she paints pictures blue and green. And I release them to the sea, for the ancient memories, just as fleeting as a breeze. She paints pictures blue and green, and I release them to the sea. I
Salut gang! Dites-moi en commentaire si vous aimez l'angle que j'ai pris. Parce que là, au lieu de la mettre dans le milieu du camion, mettons à ma droite, puis qu'elle me filme en angle, je l'ai mis vraiment plus sur le côté gauche de la fenêtre. Tu sais, le volant il est ici, là. J'ai la main sur le volant. Là. Dites-moi si vous aimez ça, cet angle-là. Bon, moi, je ne suis pas obligé de regarder comme ça. Je vais regarder continuellement en avant. Je sais que je ne vais pas avoir les yeux pardon, sur la caméra, en fin de compte, mais au moins, je vais avoir la face plus droite, en fin de compte. Fait que, moi, je viens de raccrocher avec les dispatchs. Ils m'envoient chez Boamting. On va ramasser une sueur pour remonter ça chez Energex à Lac Mégantic. Fait que l'autre bord de la rivière Chaudière. Oui, c'est ça. Je pense que c'est rivière Chaudière. Ouais. Fait que on s'en va chercher une sueur, on descend ça là-bas. Fait que salut gang! Salut gang! Je pense que j'ai recommencé à toucher là, la grippe, là, je sais pas quoi. Moi je suis chargé chez Boamting, chez Huntingville, Longbourg. Fait que là, moi j'ai pris une petite 20 minutes pour manger, j'avais faim. Fait que là, on s'en va direction Lac Mégantic, chez Energex, pour aller domper ça, c'est sûr. Fait que, ben, à tantôt! Salut gang! She got no time. How does she know?
Finalement, mon téléphone, je vais le remettre où est-ce qu'il était, parce que où est-ce que je l'avais mis tantôt, il y a une sortie de la chaufferette, il commençait à capoter. Fait que, tant qu'il va y avoir de la chaleur, je vais être obligé de le laisser au milieu, sinon je vais peut-être m'arranger autrement à un moment donné. Fait que là, moi, je suis dompé chez Énergex, à Lac-Mégantic. Là, je m'en vais à Woburn, on va ramasser un copeau, puis on va descendre ça à Kruger-Wayagamack. Auburn, c'est quoi? Demi-heure à peu près de Lac-Mégantic en s'en allant vers les États-Unis sur la, je pense, à 108. Je pense que oui. Au pire, je vois le marquer, mais j'arrive au bout, mais parce que là, je non, 161. Je viens de voir sur mon GPS. Sur la route 161 en s'en allant vers les États-Unis. Donc, comme je dis, on va aller chercher un copeau pour descendre ça à Kruger. Donc, telle gang. C'est fait, je suis chargé à Woburn. Ça a pris un petit peu plus de temps. J'étais le deuxième à me faire charger. Puis quand je suis arrivé, il venait de se parquer pour se faire charger. Fait que le temps qu'il me charge, le temps qu'il le charge, qu'il me charge, après ça, je suis décollé. Fait que, ben, comme je disais tantôt, je m'en vais chez Kruger Wayagamack. On va aller tenter ce voyage-là. Je sais pas s'il va y avoir bien du monde ou pas. Habituellement, le mardi, c'est que les gars viennent, tout dépendant où est-ce qu'ils ont. Où est-ce qu'ils ont été, ben, ils reviennent avec les voyages de peut-être loin ou pas de même. Fait que c'est ça. Fait qu'on va aller dans un peu ce voyage-là. Après ça, on va coller les dispatchs, savoir où est-ce qu'on s'en va. Il me
reste 5h45 présentement là. Ça prend 2h42. On va dire 3 heures à peu près là, avec les côtes et les enfants. Pardon, ça rentre là-bas. Fait que, t'as le gang. C'est ça, on s'entendra pas, sinon ça va rien cricher.
Fait que moi, je suis dompé à Coober Wayagamack. Ça a pris un petit peu plus de temps. J'étais le un dompeur, un échantillonneur, un qui attendait. J'étais le quatrième à domper. Puis c'était long entre chaque camion. Moi, c'était un peu normal. Le temps que le dompeur se vide, ou ça dépend où il l'envoie. S'il l'envoie sur le tas dehors, c'est un petit peu plus rapide. Mais s'il l'envoie en production en dedans, généralement, c'est un petit peu plus long là, parce qu'il en rentre moins. Fait que là, moi, j'ai raccroché avec le dispatch. Ben, je m'en vais à Donnacona. Je m'en vais, comme il dit, rien tant à Grèce. Fait que, on s'en va à maintenance demain. J'espère que ça va bien aller. Il est supposé d'annoncer du verglas. Je sais qu'au moment où vous allez voir la vidéo, c'est une semaine encore. Fait que, on va pouvoir voir s'il y en a vraiment eu ou pas. Parce que là, ça a l'air que ça ferme de les écoles, ça ferme de partout. Là, ça va être la grosse catastrophe, là. Oui. Quand j'étais jeune, un bâtard, il y avait 10 pieds de neige dehors par Wego à l'école, pareil. J'ai 37 ans, OK, mais c'est ça pareil. J'ai été à une école à Sainte-Brigitte-d'Iberville. J'ai été là de ma première année jusqu'en cinquième année. J'ai redoublé ma première. 6 ans. À peu près. Puis en 6 ans, ils ont fermé l'école une fois à cause de la neige. Puis le gros des élèves était tout dans le fin fond des rangs, puis ainsi de suite. À cette heure, le monde a tellement peur. Ah, il y a 2 cm avec 1 cm de verglas, on va fermer les écoles, c'est... Come on! Et il y a tellement de saleurs à cette heure, que le gratte à cette heure qui sort de bonheur pour que ça... Que c'est extrêmement rare, les cas de... Là, il y a un autobus de poignée, il y a des chemins d'avant. Oui, ça arrive. Ça arrive, mais les saleurs, habituellement, ils font le job. C'est déjà arrivé que, oui, ils font surprendre parce que ça arrivait plus vite que prévu ou plus intense qu'ils pensaient. Mais oui, c'est déjà arrivé. Donc, il y en annonce, j'ai checké, ça se pourrait commencer cette nuit. Moi, je vais être à l'eau d'or. Fait que c'est ça. Moi, je m'en vais à Dona. Puis à Grèce demain. Fait que. Pardon. C'est le gang.